regardez un peu ça. Le Bloop est actuellement en train de dévorer Barry. Mais qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver? Notre cher Barry Prison Run qui vient d'être mangé. Et aujourd'hui, on va jouer à la map Barry et Bloop Prison Run. Ça va être vraiment une dinguerie. Et pour ça, sélectionnons directement notre superbe jeu. Alors hop, on va se mettre comme ceci. Et on va évidemment découvrir s'il y a bel et bien le Bloop qui est dans la prison de Barry ou non. Mais en tout cas, regardez avec qui je suis. Ça va, Twitoui? Oh oui, bah ça va bien en fait. Enfin, tranquille quoi. Malheureusement, tranquille. Comme vous pouvez le voir, notre cher Twitoui est lui aussi est bien dans la prison du Bloop et de Barry. Bon, ouais. Hey, Twitoui, on est bien d'accord? J'espère que le Bloop ne sera pas ici parce que s'il est là dans la cour, il risque de nous dévorer en l'espace de deux secondes. Ouais, j'ai pas envie, hein, franchement, j'aimerais parce pas. Que, parce que. Encore bon. Barry, tu vois, quand il nous attrape, il nous remet en prison. Autant quand c'est le Bloop, c'est clairement fini pour nous et on se fait littéralement manger et on meurt. Donc, vraiment, j'espère que le Bloop ne va pas nous trouver. En tout cas, dès maintenant, c'est parti. Il faut qu'on s'échappe de la prison. Y a un autre prisonnier. What? Attends, tu penses qu'il est gentil? What? Mais il a l'air d'être bizarre. On dirait qu'il veut faire des câlins. Il a l'air, tu veux l'approcher pour voir? Ouais, c'est vrai qu'il a l'air un peu bizarre. En plus, regardez, il a une tête un petit peu bizarre. Il a une tête un peu bizarre. Bon, allez, en tout cas, dès maintenant, on va éviter de le toucher. Ce serait quand même préférable. Et on va tout de suite à la prochaine pièce. Bon, vraiment, les potes, j'espère que le Bloop ne va pas nous attaquer ou même nous faire du mal. Hop. Sinon, les potes, ce sera littéralement la fin de la vidéo. Alors, hop, ici, on doit esquiver. Hop, on doit passer par là-bas. Et maintenant, ok, alors là, il y a pas mal d'eau. On va passer par ce petit chemin. Allez, on saute bien, Hein. Ah non, mais quoi? Je suis déjà tombé. J'ai l'impression que je suis encore devenu plus fort que toi. Non, tu vas voir. Attends, avant, parce j'étais que vraiment nul. Là, et tout, c'est pas fini. Regarde, hop, ça y est, c'est réussi. Après, pour en l'instant, tout cas, mort une fois. Les potes, n'hésitez pas à zéro. Jouer au petit jeu de compter combien de fois est-ce que nous deux on va mourir, moi et Twitoui. Bon, là, déjà, je suis à une première mort, mais vous inquiétez pas. Normalement, ce sera ma belle et enfin ma première et dernière mort. Allez hop, maintenant, on va sauter pour hop, sauter sur les différentes trappes, impeccable. Et maintenant, ok, il faut passer par là, la gauche. Là, il y a de la lave, là, tu t'en es mort. Ok, bon là, en tout cas, même s'il y a de la lave en bas, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas le Bloop, hein, parce que le Bloop vit bel et bien dans l'eau, donc c'est assez rassurant. Allez hop, en tout cas, on ouvre directement la trappe et attention. Oula, on est déjà dans la pièce où Barry est là. Oh non. Et d'ailleurs, il faut cliquer sur le petit bouton. Alors, j'espère que le Bloop ne sera pas ici. En tout cas, c'est parti. Allez, on clique sur le bouton. Ça y est. Moi, j'ai cliqué sur le bouton. Toi aussi. Oh, mais t'es bête, Twitoui aussi. Ok, donc il faut pas passer par la gauche. Mais la prison, elle a trop changé. Il faut passer par la droite avec ce vilain prisonnier. Voilà, ça y est. Barry nous a même pas attrapé. La prison, là, c'est pas la même prison que d'habitude. Hein. Oui, c'est vrai que la prison a totalement changé. Il nous a mis dans une autre prison. Mais en même temps, la prison a autant changé puisque c'est la prison du Bloop, celle-ci, tu vois. C'est pas n'importe quelle prison. À tout moment, le Bloop, le vilain poisson, nous dévore. Mais attends. Vas-y, j'arrive tout de suite. Les toilettes, Waouh. Ah oui, la pièce des toilettes est incroyable. En tout cas, on va aller faire caca. Ouais, par contre, regarde comment c'est dégoûtant par terre. Tu crois que c'est quoi? Attends, on peut ouvrir les toilettes. Regarde, t'as vu le mélange là? C'est orange. Et l'orange, c'est entre le jaune et le marron. Donc à ton avis, qu'est-ce qu'il y a là? Je crois bien que c'est un mélange entre du pipi et du caca. Oh, c'est dégoûtant. Bon, en tout cas, on ouvre directement cette pièce et maintenant... Oh, what? On est tombé où là? On est dans une grotte? Non, je sais pas. Attends, mais par où il faut passer? Par là? Non. Par la cascade, regarde, viens voir, il y a une cascade ici. Imagine si on passe par la cascade, il y a un passage secret. Non, ok, non plus. Ah, ok, bon, tu sais quoi, Toutou, je crois que t'as raison. Non. Il faut qu'on passe par ce petit chemin-là. J'ai toujours raison, hein. C'est parti, en tout cas. Parfois. On passe par ce petit chemin. Par contre, là, je trouve que t'as un petit peu pris la grosse tête parce que non, t'as pas tout le temps raison. Et d'ailleurs, souvent, t'as même tort. Tu dis tout le temps des bêtises. Par exemple, tu dis que s'il y a plus d'eau, bah tu vas te mettre à boire du coca. Mais t'es bête ou quoi? S'il y a pas d'eau, il pourrait pas y avoir de coca. De toute façon, moi, je bois déjà pas d'eau, donc bon. Bon, hey, Twitoui, c'est chaud, on pose une question à tous ceux qui regardent la vidéo. On leur demande c'est quoi leur boisson préférée. Ouais, et leur nourriture préférée. Ouais, bah tu sais quoi, maintenant on va faire un petit jeu. Dans les commentaires, dis-moi tout de suite quelle est ta boisson préférée et ton repas préféré. Toi, c'est quoi ton repas préféré, Twitoui? La pizza, le burger? Le steak,
Steak frites. Steak frites. Avec du Coca-Cola. Ouais, un litre de Coca-Cola. Je suis tout à fait d'accord. Comme ça, posé sur la table. C'est pas mal. Moi, je suis plutôt en mode pizza. J'adore les pizzas. Un pichet de Coca-Cola, okay, alors, moi, je veux. On tourne à gauche, on tourne à droite, on tourne à droite directement. Et maintenant, quelle est la prochaine pièce? Oh, bah, c'est encore simple, ça. Oula, par contre, je crois qu'on a encore l'eau des toilettes en bas. Oh, dégoûtant. Allez, hop, on tourne par ici. Et maintenant, oula. Alors attention, bon. Il faut éviter à tout prix les faisceaux laser. L'eau des toilettes, je pense. Hop, hop, c'est... hop, et hop. Ok, ça y est. C'est délicieux. L'eau, enfin, les faisceaux laser ont été esquivés. Alors maintenant, on va esquiver de toucher. On va éviter plutôt de toucher les petits points rouges puisque ça nous ferait instantanément mourir. On se ferait dévorer par un énorme laser. Et maintenant, on arrive dans la prochaine pièce. Et voyons voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend dans cette prochaine pièce. Allez, vas-y, c'est parti, monte l'échelle. Mais what, 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 t'arrives pas à monter l'échelle ou quoi? Bah alors, on est un petit bébé. Attends, what? Titi, t'arrives pas à monter la petite échelle. Ah, ok, c'est récemment. Wouah, attention, il y a un prisonnier, il y a un prisonnier. Il veut qu'on lui libère les clés. Attends, tu penses que c'est une bonne idée de le libérer? Oula, 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 je pense pas qu'il faut le libérer. Allez, vite. Non. Moi aussi, le prisonnier aussi m'a attaqué. Mais normalement, j'ai ouvert la porte. Donc toi, t'es maintenant... mort deux fois et moi une fois. Ouais, mais attends. Attends de voir si tu meurs pas une deuxième fois, là. Ok, bon, en tout cas, moi, j'ai ouvert la porte. C'est parfait. Non, je pense pas. Impeccable. Et maintenant, par où il faut passer? Et c'est tout. Ok, il faut passer par devant. Attends, tu peux m'aider à monter l'échelle? Attends, tu veux que j'essaye de t'aider à monter l'échelle? Allez, vas-y. Ah, c'est bon, j'ai réussi, là. Allez, ah, voilà. Allez, vas-y, on la monte. Je crois que je suis trop petit. On la monte. Voilà. Allez, tu viens de m'aider. Ah, tu veux que je t'aide? Allez, vas-y, vas-y, viens. Oh non, bah alors là, t'es vraiment pas malin, hein. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, on va aider Tutu parce qu'il est tellement petit qu'il arrive pas trop à monter l'échelle. Attends, vas-y, mets-toi là, vas-y. Attends, mais vas-y, passe en premier. Au pire, vas-y. Attends, hop. Je passe là. Vas-y. Go. Ok. Non. En fait, les potes, Tutu a un petit problème parce que vu qu'il est tellement petit, vas-y, il arrive même pas à monter les marches. Allez, go. Vas-y. Oui. Parfait. Allez, on fait la même pour ici. Attends, vas-y. Laisse-moi m'installer. Non mais attends. Ah, je suis passé à travers. Ok, c'est parti. Allez, on monte. Non. Allez, potes. Twitou, il est tellement petit qu'il a toujours besoin d'aide. Oh là 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 là. Ah là, c'est bon, on va y arriver. On va y arriver. Oh non, il y en a encore une. Let's go. Okay. Et la troisième échelle. Allez, c'est parti. Let's go. Allez hop. Ok. Je vais bien monter. Ouais. Et ça y est, c'est réussi. Franchement, papa, t'es le meilleur. Alors, maintenant, il faut grimper tout simplement. Hop, maintenant, un petit peu de trampoline. Et encore une échelle. Oh, non. Eh, mais décidément, les potes, c'est pas pour tout. Bon, ça va, heureusement, maintenant, on a la technique. Okay. Donc, c'est parfait. Hop, une échelle. Et maintenant, on tourne à droite. Ok, on doit esquiver de nouveau ces superbes pistolets laser. C'est parti, et maintenant... Oh, la fameuse épreuve. Je crois qu'il est l'heure de se préparer le gosier pour un petit Red Bull. C'est parti, et let's go. On va courir le plus rapidement possible avec notre ami Twitoui. C'est parti, on saute. On esquive toutes les étapes différentes. Oh, mais franchement, le parcours, il est encore plus simple que d'habitude. T'en penses quoi, toi, Twitoui? Je suis sûr même sans sauter, je suis sûr qu'on y arriverait. Mais bon, après, on va quand même sauter. J'ai pas envie d'essayer, hein, parce que jamais. Je ne vais pas mourir une deuxième fois. Hop, une échelle. Oh, what? T'as réussi à la monter, celle-là? Ok. Ok. En fait, celle-là, les petits trucs sont... Ouais, c'est vrai que là, pareil, les marches étaient un peu moins écartées, donc c'était plus simple à la sauter, cette petite échelle. Ok, non, alors les autres, alors non, attends, fait par que celle-là, ici, voilà. Et maintenant, on va monter là-haut. Toujours fais ça. Vas-y, monte là-haut, hop Là, c'est parti. Attends, faut vraiment que je sois sur ta tête. Ouais, let's go. C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti, les potes. Oh non, mais je crois que cette échelle, elle est encore plus fine que d'habitude. Elle est toute fine, cette échelle. Je crois qu'on pourrait même pas faire le truc, là, la technique. Attends. Vas-y, à moins que... Non mais what? Eh les potes, c'est vraiment une dinguerie parce que d'habitude, il arrive bien à monter les échelles, mais cette fois-ci, Allez, saute comme ça. Ouais, nickel. Eh les potes, je sais pas pourquoi il y a autant d'échelles dans cette vidéo. De base, il y en a pas autant dans la, dans la prison de Barry que je connaisse bien. Même là, je pense qu'il y aura peut-être bientôt une échelle. Ah non, il n'y en a pas une ici. Ok, alors maintenant, il faut tout simplement sauter sur ces échafaudages, pardon, en esquivant évidemment les petits lasers qu'on a sur la route. Et maintenant, boum! What? Attends, mais on est où là?
Ok, alors faut pas aller derrière, il faut aller devant. Mais attends, parce que ces blocs là, on dirait qu'ils vont un petit peu tomber. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre comme s'il fallait pas rester plusieurs secondes dessus. En tout cas voilà, on a bien sauté sur chacun des blocs. Et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, il faut sauter sur les blocs bleus maintenant. Ok, alors là on a une prison avec des bougies, d'accord. Je sais pas qui était là-dedans. Peut-être un écrivain. Bon allez, en tout cas on saute par ici. Oh non, il y a maintenant, encore une échelle. On saute. Et maintenant il faut prendre l'échelle. Celle-là je pense je vais attends, y arriver mais quand même. Il faut prendre combien d'échelles là? Ok, t'as une échelle pour remonter encore dans une autre échelle. Oh mais, what attends, mais attends. Même celle-là, attends, j'ai mais du même mal. Ça t'y arrives pas. Mais bah, mais les potes, mettez dans les commentaires. Bouh, tweet, tweet, c'est pas de ma faute. Ah, allez, celle-là, c'est parti, on monte tout de suite. Et maintenant, ok, alors on nous dit de pas aller à droite. Je veux voir ce qu'il y a à droite. Ok, oh, what? Non, moi je vais là où ils disent, hein. Mais même si on passe à droite, c'est bon aussi, je crois. Attends, mais what? Le labyrinthe, il fait un peu peur, mais vas-y, on va suivre quand même les indications qu'on nous demande. Et ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant à faire? What? Attention, attention. Il y a une vilaine cuisinière, Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'esquiver? Ok, il faut l'esquiver, Vas-y, viens, on passe par là. Ok. Il faut qu'on prenne la clé, et ensuite avec la clé, je sais pas où du tout où est-ce qu'il faudra aller, mais bon, on a la clé, on va continuer d'avancer pour voir un peu où est-ce qu'il faut aller. Ah oui, à la toute fin, il y a une porte à déverrouiller, ça y est, j'ai ouvert la porte, et maintenant, alors on peut passer par deux chemins différents. Bon, tout dit, je pense que le mieux c'est de passer par là, hein, avec le chemin y a du une échelle. Trampoline, et hop, maintenant, j'ai pas envie, oh non. Maintenant, hop, on monte cette petite échelle, bah en fait... Les deux chemins reviennent exactement à la même parce que à gauche t'avais l'échelle et le trampoline et à droite t'avais le trampoline et l'échelle. C'est juste ils sont inversés en fait. Il voulait toujours que je galère. Et maintenant il est l'heure de monter tout en haut et on va esquiver tous les faisceaux laser. On est maintenant nous deux. À deux morts les potes. C'est parti. Peut-être que je vais même gagner cette vidéo si j'en meurs pas. En tout cas c'est parti. On esquive bien les lasers. Ouais, même moi je me pose bien cette question. Qui sera le boss final qui va venir nous attaquer? C'est probablement le Bloop même parce que vu comment... Attends mais what? Je crois que c'est déjà fini. Ah non, il faut encore une fois maintenant tirer sur Barry avec des boules. Mais what? Attendez, comment on fait pour qu'elle tombe sur Barry? Ah ça y est, attendez parce que what? Oh là, le Barry court super vite par rapport à d'habitude. Barry court super vite. Ah bah t'as vu comment il est musclé aussi? Ouais. Il est tellement musclé là, franchement. Il a des abdos en béton, il est encore plus musclé que Hulk. Mais en tout cas, on est en train d'éliminer notre cher Barry National. Hop, allez, on lui tire bien dessus, Il est midlife, le monsieur. Ouais, le mien aussi. Normalement, j'ai bientôt éliminé Barry, si tout se passe bien. Il lui reste encore un tout petit peu de vie. Allez, on court. Hop là. Tout de suite, tu l'as mis à combien de vie, là? Il lui reste combien? Moi, il lui reste, allez, 2-3 balles, et ça y est. Oh non, il m'a trompé. Oh non, c'est bon, il garde sa vie quand même. Ah, c'est pas grave. Oh, il garde sa vie, il est quand même affaibli. Ah. Donc, je l'ai tué. Ouais, let's go. On a éliminé notre cher Barry. Mais alors, tout de suite, t'es mort 3 fois si je retiens bien, non? Techniquement, je suis mort 2 fois et je me suis fait attraper. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que t'es plutôt mort 3 fois, mais tu veux pas l'avouer. Ouais. Bah, attends, viens, exactement. On peut encore cliquer sur ce bouton. Attends, peut-être qu'on peut... Oh non, je pensais qu'on pouvait libérer le petit bizarre. Dommage, mais moi, bon, j'aurais bien libéré. En tout cas, ça y est, nous venons d'officiellement terminer la prison de Barry. Et maintenant, on pourrait même nous-mêmes devenir des Barry. En tout cas, c'est incroyable. J'espère vraiment que cette vidéo, elle t'aura plu. Si elle t'a plu, mets tout de suite un pouce bleu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et t'as dès maintenant 2 nouvelles vidéos qui s'affichent à l'écran. Une ici et à droite, ma toute dernière vidéo. Clique tout de suite dessus et je te souhaite un bon visionnage. Ciao, ciao.